Bonjour, j'espère que vous allez bien et si tout va bien. Nous sommes aujourd'hui mardi, il est 3h. Je viens de rentrer à la maison. Je suis passée par Action avant de rentrer à la maison. En fait, je me suis dit, il faut que tu y passes, mais que tu t'arrêtes pas à la maison. Parce que si tu te poses, tu vas pas pouvoir repartir. Et j'ai bien fait. Vous voyez, là, je suis dans le canapé, je me suis posée et ça va être compliqué pour aller chercher les filles, mais de toute façon, j'ai pas le choix, donc il va falloir que j'y aille. Je suis passée à Action, je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai pris. J'ai trouvé pas mal de petites décos et tout, puisque nous allons faire l'anniversaire d'Aria sur le thème de Pâques. Et en fait, j'ai trouvé des petits trucs pour faire la déco et tout. Je n'arrive pas à trouver le numéro 2, vous savez, en ballon pour gonfler à l'hélium là. Ça m'énerve, j'arrive pas à le trouver. Donc je vais regarder sur internet pour le trouver en moins cher. Action, ils sont pas mal parce qu'ils sont pas très très chers, mais là, il y avait tous les numéros. Tout, sauf le 2. Voilà. Pour vous dire, j'ai pu acheter le numéro 4 pour Cali en septembre. J'ai pris de l'avance, hein, parce que je me suis dit, si c'est comme le 2, je me fais avoir, j'en ai pas. Voilà. Donc bon, bref, c'est pas bien grave, je trouverai mon bonheur sur internet, c'est pas un problème. Matinée très bien passée, bon je vous avoue que je suis bien fatiguée quand même, mais ça va. Aujourd'hui, cet après-midi au programme, je sais pas ce qu'on fait quand les filles vont rentrer de l'école et de nounou, on verra. Si on fait de la peinture ou quoi. Cali ce matin, à peine en se réveillant, elle m'a dit « Maman, on fait de la peinture ?» Donc je lui ai dit, écoute, on en fera ce soir en rentrant de l'école et tout. Donc on va voir si on fait des jeux ou de la... On verra, on verra, on verra. Voilà, on verra bien. Comment... On verra. On verra. Je suis fatiguée, je pense que ça se voit. J'ai l'œil qui me fait un petit peu mal là. Ce matin, en fait, déjà, il était un petit peu collé au réveil. Donc j'ai nettoyé avec du sérum fille et tout. On verra demain comment ça va. Mais bon, ça va aller, hein. Ça va aller, ça va aller. Voilà. Bah, je suis capoute. Ce soir, il faut que je prépare mon bœuf bourguignon pour demain midi. Je vais vous montrer un petit peu comment je le prépare et tout, parce que en fait, au retour de cours, je vous ai dit que je faisais ça en deux cuissons. Il y en a beaucoup que ça interroge, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais faire la première cuisson ce soir et la deuxième demain. Et par contre, au menu ce soir, je ne sais pas encore. Comme je vous ai dit, en fait, généralement, je fais mes idées de menu, mais je ne fais pas le planning. C'est-à-dire que je n'attribue pas à chaque jour un menu. Et voilà, je prends en fonction de ce que j'ai envie, ce que Doudou a envie, ce que les filles ont envie de manger. Et voilà, après, des fois, j'arrive à mettre à des jours précis, mais c'est souvent qu'on change. Donc bref, on verra bien ce soir le menu. Doudou a emmené les gâteaux à son boulot et ils ont kiffé. J'ai eu plein de messages en me disant merci, merci. Ben, donc ça fait trop plaisir, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. C'est vrai que je fais souvent ça de temps en temps quand j'en fais un petit peu trop. C'est soit moi j'y amène au boulot, soit c'est Doudou. Là dernièrement j'avais beaucoup emmené à mon boulot, donc j'ai dit à Doudou tu les amènes pour une fois. Et puis voilà, et je crois qu'il y en a eu pile poil le nombre. Voilà, il en fallait pas plus, il en fallait pas moins, quoi. Enfin bref, voilà. Bon bah c'est tout. Allez, je me pose quoi, peut-être 20 minutes, je sais pas, ouais à peu près. Et après j'irai récupérer ma petite louloute, Aria, et après ma petite Calinette. Voilà. Je suis fracasse. J'aurais bien fait une petite sieste, mais en fait, demain, je suis encore du matin. Et je me dis que si je dors là, cet après-midi, ce soir, je vais mettre un temps fou à m'endormir. Et ça va être compliqué. Mais bon, faut pas que je dorme. Et puis, de toute façon, 20 minutes, c'est pas... Moi, il me faut au moins une sieste de 40 minutes. 40 minutes, ça commence à faire bien. 20 minutes, c'est trop court. Trop court. Alors, on va me dire, oui, mais les siestes de 20 minutes, c'est les meilleures, c'est les plus réparatrices. Ouais, mais moi, c'est trop court. T'as à peine le temps de... que... Ah, oh, tu dois te réveiller. Bon, on est en mode activité manuelle avec les filles. Je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai acheté à Action. Donc, je leur ai pris des sets de table. C'est une.
Je leur ai pris un set de tables là, de chez Action qui sont assez grands. En fait, j'en avais déjà acheté pour mettre sur la table leur petite table en bois. Et là, j'en ai repris deux pour mettre sur la table quand elles font de la peinture et tout. Parce que hier, c'était bien sympa le sac poubelle, mais ils tenaient à peine. Donc voilà. Donc j'ai acheté des sets de tables. Hop, ils sont en dessous. J'ai acheté également des grands carnets là, avec des feuilles. Donc comme ça, elles peuvent me faire les dessins. Et en plus, c'est bien parce que c'est prédécoupé. C'est bien, mon amour. C'est prédécoupé. Donc si je veux garder... Oui, j'ai vu, c'est qui lui a mis? C'est moi. Tu lui as mis des barrettes. Mais moi j'en ai mis plein. T'en Mais as mis plein aussi? Mais c'est bien de mettre des barrettes dans les cheveux. Donc ouais, les feuilles se prédécoupent. Donc ça, c'est trop cool. Si je veux garder le dessin et tout, c'est trop cool. Donc voilà, petite activité manuelle pour les filles. On a pris le goûter. Je leur ai fait leur gourde d'eau. Et puis voilà. Alors, je action. refais. Tiens, vas-y. Là, regarde, il y a les poissons. Donc, j'ai pris des stickers. Moi, je les prends tout en action parce que niveau prix, ça vaut plus le coup. Donc là, j'ai acheté 50 stickers sur le thème du poisson. Là, c'est la ferme. Ici, c'est quoi ça, Aria? C'est quoi ça? Regarde, ça, c'est quoi? Une poule. Une poule. Bravo, mon amour. Tu veux les stickers ferme? Oui? Donc, les stickers, donc ferme. Les animaux de l'océan, Aria, Kali, est-ce que tu peux aller ouvrir à Goji, s'il te plaît, qui frotte Ok. à la porte d'entrée? Et j'ai pris 50 stickers princesse. Bah, ah, c'est fermé à clé, bah attends, j'arrive. Donc, ouais, attends, non, non, ça c'est moi qui fais. La clé, c'est moi. Allez, rentre, Goji. Hop. Et donc, ouais, 50 stickers princesse. Voilà. Donc, il y a la ferme. Mais pas la bouche. Non, sors de la bouche, le bouchon. Mais pas la bouche. Hop. Tiens, mon petit chat. Donc, stickers action, ça vaut grave le coup. Là, genre, je les ai payés 60 centimes. Donc, ça vaut grave le coup. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Un cochon. Comment ça s'appelle? Dessin. C'est bien, mon amour. Et ensuite, j'ai acheté également deux petits kits pour faire des tampons. Donc là, on a un petit peu des girly. Il y a des cerises, il y a des fleurs, des fraises, des sucettes. Et j'ai également pris l'alphabet. Je te rends, je te rends. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Vous avez juste un petit bouchon à enlever et vous faites la lettre et tout. Ça les éclate. Donc voilà, très très bien. Sinon, aïe, ouf, je viens de marcher sur un stylo. Ça fait trop mal. Sinon, j'ai pris... Ça, alors attendez, hop, attends 2 secondes mon chat. J'ai pris ça, donc c'est des petites étagères par 3 pour mettre dans la chambre de bébé 3. J'ai pris également, donc j'ai pris de quoi faire de la déco pour l'anniversaire d'Aria. Puisque l'anniversaire d'Aria, on le fait le lundi de Pâques. Et donc on va faire sur le thème de Pâques. Tu descends, pourquoi tu descends de la chaise chérie? Ah, t'as fait tomber quelque chose, d'accord. Donc ouais, sur le thème de Pâques, donc j'ai trouvé pas mal de choses sur l'esprit de Pâques. Bon, on est pile poil dedans. Je suis désolée, ce t-shirt est très décolleté. Donc j'ai acheté ce petit truc, la cendre de table. J'en avais déjà acheté deux. Et en fait, il m'en fallait un autre. Je vois une décoration et il m'en fallait un autre. Donc j'en ai repris un. J'ai pris des petites serviettes avec des petits œufs. Ensuite, ça, j'ai pris des feuilles. Alors ça, c'est nouveau. En fait, c'est des feuilles qui se fixent, mais en fait, c'est pour faire de la déco. L'idée, c'est que dans la chambre de bébé 3, je fasse un... Alors, je sais pas trop un peu comment appeler ça. Je sais pas si... En fait, j'ai une idée en tête, mais je sais pas si j'arriverai à le faire. Bref. Donc l'idée c'est que je vais utiliser ces feuilles-là qui font un petit peu tropicales pour faire une déco. J'espère y arriver, sinon je lâcherai l'affaire. J'ai racheté des éponges parce que bah, j'en ai toujours besoin. Et j'ai racheté également de la peinture parce que hier je me suis rendu compte que la peinture qu'on utilisait, elle était en fin de vie. Donc j'en ai racheté là. J'ai racheté 6 couleurs, donc du blanc, du jaune, du rouge, du noir, du bleu, du vert, bon les couleurs primaires quoi. Et voilà, on va pouvoir faire de la peinture avec les filles. Je pense que demain après-midi, on fera un petit peu de peinture. On verra le temps qu'il fait, mais je pense qu'on va faire un petit peu de peinture. Voilà, et comme je vous ai dit, j'ai acheté un numéro 4, j'ai pas trouvé le numéro 2. Voilà,
donc je suis un petit peu dégoûtée. Il faut que je regarde un petit peu sur internet pour voir si je trouve mon bonheur. Et autre chose, j'ai acheté du papier cadeau, donc pour faire le cadeau, les paquets cadeaux de Aria. Je vous montrerai son cadeau en temps voulu quand on l'aura reçu. Et derrière là, je ne sais pas si vous voyez ici, donc dans les cartons en fait, c'est des guirlandes style guinguette que j'ai trouvé à Action. En fait, j'en avais vu une à Ikea. Un arc-en-ciel. Ouais, c'est un stickers. Ouais. Donc j'en avais vu à Ikea. Et bah colle-le sur ta feuille, mon cœur. J'en avais vu à Ikea, sauf que Ikea, elle était à 29 euros et il y avait 15 ampoules, je crois. Là, je l'ai payé 12 euros avec 20 ampoules, donc autant vous dire que je n'ai pas hésité. Et en plus, c'était avec une prise. Je voulais pas avec truc solaire ou à pile. Donc j'en ai pris deux. Donc c'est pour mettre du côté de notre pergola là, ou devant, je sais pas encore, on verra avec Doudou. Et autre chose, j'ai acheté du gazon synthétique. Ça c'est pour la déco de Pâques. Voilà, j'ai plein d'idées en tête. Je pense que je vais faire une table test avant l'anniversaire d'Aria. Mais j'ai plein d'idées, donc c'est trop trop cool. Voilà. Ça fuse dans ma tête. En fait, vous avoue que comme l'année dernière, on n'a pas fait son anniversaire, cette année, je veux vraiment marquer le coup. Je veux vraiment mettre le paquet pour ces 2 ans. L'année dernière, on n'était que tous les 4 pour son anniversaire. On était confinés, donc voilà, on n'a pas eu bien le choix. Là, cette année, je pense qu'on a un petit peu plus le choix. Après, bien entendu, ça ne va pas être grosse fiesta avec 50 personnes à la maison, on est bien d'accord. Ça sera les plus proches, mais je veux quand même marquer le coup et faire, faire un beau truc. Voilà. Est-ce que ça... Mon œil est toujours rouge. Hein. J'ai mal à l'œil. Mais ça va bien se passer. Et ben, je pense que maman, elle s'est mis un petit truc dans l'œil cette nuit. Tu vois, ce matin, ça me gênait, mais ça va aller, mon amour. Tout va bien. Je t'aime, mon bébé. Je t'aime, mon bébé. Moi aussi, je t'aime, mon amour. C'est au bébé que tu disais je t'aime ou c'est à ta maman? Au bébé. Et maman, tu l'aimes ou pas? Tu l'aimes, ta maman? Oui. Qu'est-ce que tu veux, mon petit chat? Ah, ben, on y va. On y va, on y va. Je vais essayer de fumer. Bon, j'ai fait le repas pour ce soir. J'ai fait des pommes de terre au cookéo. Avec ça, petite sauce fromage blanc, enfin yaourt à la grecque avec de la ciboulette, de l'huile d'olive, sel, poivre. Et voilà, c'est très très bien. Alexa, on t'a rien demandé. Et avec ça, j'ai fait des carottes caramélisées au miel. C'est très simple. Je les ai fait cuire un petit peu au cookéo pour qu'elles soient un petit peu fondantes. Et après, je les ai fait revenir dans la poêle et j'ai mis un petit peu de miel et ça va être très très bon. Et avec ça, parce que j'ai fait quand même du poisson, à midi, j'ai pas mangé de viande moi à midi et j'avais envie de poisson et cali aussi. J'ai fait les poissons façon meunière. Donc je vais baisser un peu parce qu'on va pas tarder à manger. Et puis voilà, en attendant que les pommes de terre finissent de cuire, je vais plier mon linge. Je vais faire mes 3 bacs, donc... Kali, Aria, papa, maman et enfin 2 bacs. Let's go. Alors petit repas de ce soir, donc comme je vous ai dit, pommes de terre, le poisson façon meunière et les carottes caramélisées au miel. J'ai ramassé un petit peu le miel en fond de poêle parce que c'est trop trop bon. Je pense qu'on va se régaler. J'ai fait, comme je vous ai dit, une petite sauce yaourt à la grecque avec de la ciboulette. On mange quoi? Du poisson. Oui, c'est de la sauce. Je vais t'en mettre. Tu en veux? Bon, il est 8h30, les filles viennent d'être couchées. J'ai tout plié mon linge, donc trop cool. Me bac de papa et maman, Aria et Kali. J'ai encore une lessive à mettre dans le sèche-linge et on devrait être bon. Donc ça c'est cool. J'aurai pas à faire de machine demain, je serai tranquille pour mon mercredi de repos.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne vais pas faire le bœuf bourguignon ce soir. Je vais le faire demain. Je vous explique pourquoi. Demain midi, on va manger une raclette. En fait, j'ai énuméré à Cali tout ce qu'on pouvait manger en mode repas. Et ce soir, au départ, elle voulait partir sur une raclette. Je lui ai dit, tu sais, la raclette, c'est mieux de manger ça le midi parce que le soir, c'est trop lourd. Et moi, je trouve que c'est trop lourd une raclette le soir. Donc bref, donc je lui ai dit, par contre, si tu veux, demain, on est mercredi. Il n'y a pas école, donc on peut faire la raclette. Donc elle m'a demandé la raclette demain midi. Donc demain midi, c'est raclette. Et je ferai le bœuf bourguignon, donc je le commencerai demain après-midi, pour jeudi midi. Parce que jeudi midi, vous le savez, le jeudi, j'ai tout le temps une pause entre midi et deux. J'ai 2 heures. Donc, et en plus là j'ai même pas 2 heures, j'ai 3 heures, donc trop cool. Donc je vais bien pouvoir en profiter de ma pause. Et donc on fera le bœuf bourguignon avec Doudou, puisque Doudou est en télétravail jeudi et vendredi. Voilà pour tout ça. Allez, je vais faire tourner mon sèche-linge. Au niveau des bacs de linge, je suis nickel. Il m'en reste un petit peu, mais franchement je vais pas faire une machine tout de suite. Ça attendra après-demain, je pense. Demain, je suis tranquille. Après-demain, moins sûr. Vous voyez, là, il me reste juste un bac de blanc. Et encore, il n'est même pas plein. En fait, c'est une... J'avoue, il y a une nappe qu'on doit laver depuis un certain temps. À chaque fois, je repousse le truc. Mais il faudrait que j'arrête de repousser le truc. Vous voyez? Parce que il faut que je la lave quand même. Hein? Je me disais où étaient passés mes soutiens-gorge, mais en fait, ils sont tous là en train de sécher, sagement. Voilà. C'est cool, je vais pouvoir enfin mettre un soutien-gorge. Non, je déconne, je rigole. Hein. Bref, bon, allez. Sur ces belles paroles, je vais monter... J'aime beaucoup cette expression, j'arrête pas de la dire en ce moment. Je vais monter le linge, là, je vais pouvoir commencer à ranger mon linge. Celui des filles, ben non, je le rangerai pas tout de suite. Il faut que je lance ma machine, j'ai pas lancé ma machine. Voilà, c'est fait. Celui des filles, je le rangerai demain. J'ai passé un coup de serpillière là dans le salon. Je vais juste passer un petit coup d'aspirateur sur le tapis. Et on est bon, on est nickel, tout est propre. Et ça fait du bien. Voilà, ça sera pas à faire demain. Demain mercredi, on est tranquille. On profite des filles et c'est tout. Je me fatigue. Est-ce que c'est possible de s'auto-souler? Oh, ça va. Bon, bref, en fait, j'ai refait le final du vlog 2 fois. Voilà, donc là c'est la 3e fois, tout va bien. En fait, je pars dans des débats, même pas des débats en fait, un monologue toute seule. Bah oui, monologue, je suis con moi. Bref, bon, on est en train de commander le cadeau de Daria. Le parrain voulait se mettre avec nous. J'ai dit à Renaud, tu ne lui montres pas le prix parce que je le connais. Et ce salopio, il a réussi à trouver le prix. Donc je ne suis pas d'accord. Donc là, je vais prendre mon portable pour lui dire ce que je pense. Sinon je voulais faire des yaourts, mais je pense que je les ferai demain. Non, c'est même sûr en fait, c'est pas je pense, je les ferai demain matin. Comme ça je lance les yaourts à 7h avant de partir au boulot. Et ils seront terminés à midi. Comme ça à midi je serai à la maison. Et je pourrais les mettre au frigo. Voilà, parce que là j'ai dit à Doudou, est-ce que toi tu les mettrais au frigo? Mais en fait j'ai calculé, il est 21h. S'il les met au frigo lui, ça veut dire 2h du matin. Ça veut dire qu'il n'est pas couché avant 2h du matin. Et ça, je ne suis pas d'accord. Non. Il me tape. Tu te caches derrière le bouquet là? Oui. Je te vois. Hein. Bref, donc voilà. Sinon j'ai plié mon linge, tout est nickel. J'ai passé un coup de serpillière, tout est nickel. Le salon est nickel. Et ça fait... Et moi je suis nickel. Bah t'as pas pris ta douche. Donc non. Et ça fait du bien, ça sera pas à faire demain. Donc voilà, je serai tranquille comme ça demain. J'avais autre chose à vous dire, mais je me rappelle plus. J'ai beaucoup blablaté aujourd'hui. Hein. Je vous ai montré des petits trucs à action et tout, mais j'ai énormément blablaté. Voilà, j'avais besoin de parler. Oui, je suis une pipelette, mais j'assume. J'aimerais faire une décoration sur ce mur-là. J'en peux plus de ce truc moche-là. On a un truc en laine ou je sais pas quoi, c'est moche. Et j'ai plus de batterie, voilà. Donc c'est la batterie qui va me dire « ferme ta bouche ». Faut que je trouve une déco pour ce mur. J'aimerais bien mettre des cadres de différentes tailles et tout, que ça fasse... J'aimerais bien. Je vais trouver. Je vais trouver. J'en ai marre de ce truc. Regardez, c'est moche. C'est moche ce truc. Non mais c'est moche. À part prendre la poussière, c'est tout ce que ça prend. J'aime pas.
Bon, allez, sur ces belles paroles, je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire à demain. Demain, on filmera un vlog. Je pense que je ferai le début et Doudou continuera un petit peu dans la matinée. Et je prendrai le relais dans la journée. Et puis voilà, vivement demain, 11h30, que je retrouve mes louloutes. J'ai un rendez-vous avec ma naturopathe, mais ça va être assez rapide, je pense. Et voilà. Voilà. Allez, sur ces belles paroles, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Oh là. Je dis ça, j'en ai un, je suis dépitée. Ça te fait rire? Toujours. J'ai envie de chocolat. Non. Oh. Demain, je vous fais des gâteaux. Ah oui. Et d'ailleurs, non, mais j'ai oublié de vous dire. Mais en fait, je filme la recette du bœuf bourguignon demain. Mais si, je vous ai déjà dit, je radote. Oh là là, je me fatigue. Allez, à demain. Bisous. Bye bye. Je vais manger un petit bout de chocolat.